Coucou, j'espère que vous allez bien. Me voilà de l'autre côté, du coup avec la baie vitrée, là, derrière mon meuble, avec mon imprimante maintenant qui est posée là et plus là, et ma fenêtre là. Donc plus de contre-jour. Et au pire, si j'avais quelques contre-jours avec ma baie vitrée, j'ai juste à fermer les rideaux. Donc une petite vidéo. Donc cet après-midi, je me suis amusée à faire la page que Karine m'a donnée, Karine H m'a donnée comme défi. Donc alors, ça devait être. Moi, j'ai pas fini encore parce que j'ai branché ma péripage parce qu'elle n'avait plus de batterie. Et c'est, j'ai une drôle de couleur. Voilà, c'est quoi ce teint? Wow! C'est quoi ce teint? C'est quoi ce visage? Si c'est... Ah, ça faisait un... Mais laisse tomber, quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, je sais pas. Donc, je devais faire une page 30-30 avec fond réalisé avec des distress oxide. Alors, j'ai recommencé trois fois. Je n'ai pas réussi avec mes distress. Donc j'avais pris la Dread Marigold, j'avais pris la Shabby Shutter, j'avais pris la Fully Saved Amber et j'avais pris la Tumbled Class. Mais en fait, en y réfléchissant, je pense que je m'y suis mal prise. Donc ce que j'ai fait, je vais vous mettre pour vous montrer. Donc en fait, je suis venue donc tamponner. Ça, je vais mettre là, je vous montre après. Je suis venue tamponner comme ça. Tac, 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 tac. Ensuite, j'ai pris mon spray, tchac, tchac, d'eau. Et ensuite, j'ai pris mes petites brosses, hein, je ne sais plus le nom, comme ça. Mais en fait, ça faisait un truc. Alors, j'ai mis à la poubelle. Je vais vous montrer un peu comme ça. Ça faisait un truc caca. Bon, voilà. C'est, je sais pas, c'était bizarre. C'était pas, ça faisait pas des. Moi, j'aurais voulu que ça fasse un peu des jets d'encre. Et là, je sais pas, ça faisait moche. Enfin, voilà, je dis non, ça ne va pas du tout, c'est pas ce que je veux. Et en fait, je me suis souvenue que quand on a fait, c'est pareil, on avait fait une page. Alors moi, j'avais fait ça sur un. Du coup, on va se remonter. J'avais fait ça sur. On se met à droite. Moi, j'avais fait ça sur un tableau à peinture. On savait les tout fins. Mais on pouvait prendre une page blanche. Bon, moi j'avais pris un tableau à peinture. Et moi j'avais déjà pris les Distress Oxide Spray pour faire. Parce que j'aime beaucoup le rendu que ça a. Et en fin de compte, une amie, Elena, en fait, pour faire avec les Distress, et je m'en suis souvenue après, elle prend une espèce de plastique style rhodoïde assez épais. Elle met son encre. Il me semble qu'elle spray un peu et ensuite elle le pose sur sa feuille comme ça et après ça fait des effets un peu splash si je peux dire comme ça un peu fou et je m'en suis souvenue qu'après donc ça pouvait pas rendre ce que je voulais en faisant à la brosse donc du coup après avoir fait deux fois et que je trouvais ça pourri enfin je trouvais ça moche comme tout. J'ai bon, ben tant pis, je vais faire. Elle m'a dit de faire avec les Distress Oxide. C'est les Distress Oxide, mais du coup, j'ai pris les sprays. Donc j'ai pris celui-là, le Stormy Sky. J'ai pris le Dryad Marigold que j'ai aussi en tampon. J'ai pris le Dusty Concorde. Et j'ai pris le Speckled Egg. Je l'ai aussi en tampon, en encre oxyde. Donc j'ai pris ces quatre sprays. Voilà. Il fallait aussi. Donc
Hein, elle doit inclure une photo. Alors, 7 par 10. Donc, comme j'ai dit à Karine, moi aussi, j'ai la selfie, l'imprimante selfie. Eh bien, Karine, il faudra que tu m'expliques. J'ai jamais réussi à trouver l'application où ça me met les tailles. J'ai retéléchargé un truc qui allait avec ma selfie, mais en fait, j'ai pas trouvé la taille. Donc la taille que j'ai trouvée, enfin que j'ai trouvée, oui, c'est en fin de compte, c'est 9, 9,2 par ouais, 9,2. Donc je me suis dit, bon, tu n'as pas de prendre la tête, arrête avec cette photo. Bon, j'ai pris 9,2 sur 9,2. Tu m'expliqueras quelle application, parce que j'ai cherché, et ben j'ai pas trouvé sur ma selfie. Quelle application il faut pour du coup les formats. Donc il fallait un portrait de notre chien. La photo doit être matée. Un peu de déco, mais pas de perles, pas de dentelles, pas de die-cut. Pas de pompons, pas de fleurs, pas de style, un style épuré, clean, un sentiment en français et surtout, tu dois ajouter sur la page un badge avec photo de ton chien. Tout ça doit être en diagonale sur feuille blanche. Donc j'avais pas de feuille blanche, donc j'en ai pris une comme ça que j'ai retournée. Et dans les tons pastels. Donc j'ai pas fini encore. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai fait comme ça. Alors, tu me diras, Karine, je crois que ça fait partie des die cuts, ça. Voilà, j'ai mis comme ça. Je trouvais ça joli. Là, j'ai mis mon nom. Tu sais quoi? J'ai eu la flemme de chercher dans mes die the mots. C'est pas bien, non? Parce qu'en fait, compte, là, tous mes die sont en bordel dans une boîte. Parce qu'il faut que j'achète les feuilles aimants pour les classer et tout. Et là, tout est. Et j'ai eu la flemme. Voilà. Mais tu pourras me dire de recommencer si c'est pas ça. Donc j'ai mis moment. Donc j'ai mis Charlie comme ça. Bon là, c'est un die cut, hein, il me semble. Hein. Ça fait partie des die cuts. J'ai mis en spray comme ça. Alors moi, j'adore quand ça fait des espèces de splash là, comme ça. Donc en diagonale. Hein. Si je ne me trompe pas, j'ai mis la photo un peu en diagonale. Donc il me reste un badge à mettre et je vais y rajouter quelques décos en découpe, je pense. Donc je voulais montrer voilà ce que j'avais fait là, pour le moment. Donc voilà. Donc ouais, je pense que du coup pour avec l'encre oxyde, il faut mettre sur la petite feuille en plastique là. Et après la feuille en plastique, vous venez l'appuyer contre votre feuille et du coup ça vous fait un beau rendu. Je pense que c'est ça. De toute façon, je vais réessayer comme ça. Mais là pour l'instant j'ai fait ça. Karine, tu me diras ce que t'en penses pour le moment. Là j'attends pour ma badgette. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce teint là, c'est cuit ça. Je me change de place et j'ai un teint à la con. À la con. Zut pour les gros. Donc, ouais, je vais faire sur ma péripage pour avoir la tête de Charlie en petit. Parce que là, vu que j'ai pas trouvé sur ma selfie comment faire en petit, donc faudra que tu me dises ouais, quelle appli vous avez utilisée. Parce que du coup, j'ai pas trouvé, je pensais trouver que ça allait être facile et j'ai pas trouvé quoi. Donc voilà pour cette petite créa d'après-midi sur les défis. En même temps, je regarde des vidéos, comme ça, bah, ça passe le temps. Et puis voilà. Parce que ma péripage, elle devait être bien. Déchargée parce que elle est toujours au rouge et elle met du temps à charger. Donc voilà. Oh là là, mais c'est quoi ce teint? C'est quoi qui fait ça? J'ai quand même des problèmes avec le avec dehors. Hein. Alors, bon, je pourrais me mettre là. Excusez-moi, hein, je bouge tout. Mais c'est chiant. Ce teint là. Soit tu m'acceptes.
Donc voilà, voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez au premier abord là, ce que ça donne. Je sais, j'ai pas fait exactement ce qui était dit, mais je referai, il n'y a pas de souci. Là, voilà, j'ai essayé de me donner une petite idée comme ça. Mais c'est vrai que les Distress Oxide en spray, j'adore. J'adore. Mais les Distress Oxide, si on les fait avec l'espèce de rhodoïde là, de plastique, ça fait un beau rendu. Donc, faut que je prenne une petite feuille. Voilà, c'est en fin de compte, c'est ça comme petite feuille. C'est ça comme feuille. C'est comme si vous preniez, voilà, de ce qui colle vos tampons clear. Voilà, vous prenez ça. Vous prenez votre tampon, vous venez le tamponner, clac, 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 clac. Vous mettez un peu d'eau. Vous mettez un peu d'eau. Et après, vous venez, voilà, mettre comme ça sur votre feuille. C'est ça qu'ont fait les filles la dernière fois qu'on a fait une petite soirée ensemble. C'est ça qu'elles ont fait. Moi, j'avais fait au spray, mais c'est ça qu'elles ont fait, quoi. Donc, faut que je refasse pour voilà, être vraiment dans le thème que Karine m'a lancé. Mais bon, là, je trouve que franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Voili, voilou. Bon, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être un peu plus tard ou dans la semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.